Bonjour. Voilà mon nouveau spot pour ce mois de décembre avec mon sapin derrière. Donc bienvenue dans une nouvelle semaine. On est lundi 5 décembre et donc c'est parti, hein? Let's go. Mon lundi s'est bien passé contrairement à la semaine dernière où j'avais j'avais eu quelques peines avec mon travail, on va dire ça comme ça. J'arrive maintenant après avoir encaissé les sales coups de mon responsable adoré. Je me prends mon je sais pas quoi. Donc après avoir voilà encaissé tout ça, maintenant je fais le reste de mon travail avec le sourire. Je profite des derniers instants avec mes collègues et puis on va essayer de rester comme ça et j'ignore mon chef, comme ça c'est plus simple. Je lui parle le strict minimum de chez strict minimum pour le travail, c'est-à-dire là, juste le foie gras, le reste je fais comme d'habitude. Enfin bref, donc voilà, ça va beaucoup mieux. Donc je suis contente parce que franchement, c'était chiant. Bref, donc je viens pour vous parler de mes lectures en cours parce que la dernière fois que je vous ai parlé, je commençais une lecture. Qui est sur ma liseuse. Donc je suis à page 77 sur 136. Comment on fait à chaque fois? Je suis paumée sur la liseuse. Je vous montre. Pourquoi? Je vous montre la couve. Donc c'est Vers la beauté de David Fuenquinos. Ah bah, j'ai même pas de photo en fait. Je croyais que j'avais une photo, la photo de la couve. Mais en fait, elle est juste sur. En petit, là. Mais bon, on voit rien. Bref, donc je suis dans cette lecture. Oh, ça m'a perdu ma page. J'ai dit que j'étais page combien? Oh, ma mère m'appelle, je reviens. Bon, du coup, ma mère m'a appelée pour les cadeaux de Noël. Bref, donc je vous disais que j'ai retrouvé ma page, page 77. Donc là, on va suivre comment il s'appelle? J'allais dire Arthur, mais je suis même pas sûre. Duris. Je sais que son nom, c'est Duris. Parce qu'à chaque fois, on lui demande si il connaît Romain Duris. Et des fois, il dit, oh, bah oui, c'est mon cousin. Alors qu'en fait, pas du tout. Comment il s'appelle? Bon, je lis son prénom 56 000 fois. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, on le suit. Ah non, c'est Antoine. Voilà. Antoine Duris, donc, qui était un grand professeur, me semble-t-il, reconnu à Lyon, dans une grande école, là, dans une grande université de Lyon. J'ai du mal ce soir. Et du coup, il décide de tout plaquer. Suite, il avait une relation amoureuse depuis 7 ans avec sa copine et elle le quitte. Donc du coup, il décide de tout quitter parce que il se quitte un peu d'un commun accord, mais lui, moyen, moyen, quoi. Donc, en gros, elle a rencontré quelqu'un et ça le blesse, en fait, que elle passe si rapidement à autre chose et qu'elle ait rencontré quelqu'un aussi rapidement, quoi. Donc, du coup, lui, il décide de tout plaquer, de rien dire à personne. Donc, il se barre et il laisse un mot, genre, ou des mails à sa famille, ses proches, pour leur dire tout va bien, je pars m'exiler un peu, je coupe tout, donc tout le téléphone, tout contact, pour aller écrire un livre. En fait, il part à Paris louer un petit appart minuscule et il veut être gardien au musée d'Orsay. Et donc, du coup, on le suit. Voilà. C'est très simple, mais ça se lit très. Ça se lit tout seul, c'est super agréable à lire. C'est La Plume de Fuenquinos. C'est du pur contemporain et franchement, c'est. J'aime beaucoup cette petite histoire pour l'instant. Donc là, je vais le continuer tout à l'heure. Tranquillement, mais j'aime bien. Franchement, on suit Antoine et puis après, bon, ça c'est la première partie. Je vais pas tout vous dire parce que comme c'est un roman assez court, je crois qu'il a 200, entre 270 pages, un truc comme ça en poche. Moi, je suis à 136. Je ne sais jamais comment c'est possible.
Je comprends rien avec la liseuse. Donc bon, moi, je suis page 77 sur 136, donc je pense que ça va rapidement se lire. Je voulais le finir hier, dimanche, mais finalement, comme je suis, j'ai pas mal bougé, puis après, on a fait de la route. Je m'étais dit, je lirai sur la route, puis en fait, on a discuté avec mon copain, donc voilà. Puis ben, comme après le dimanche, c'est toujours, le dimanche soir, c'est toujours compliqué pour moi parce que comme on se sépare, vu qu'on n'habite pas dans la même ville. C'est chiant. Donc j'ai qu'une hâte, c'est que ça se termine tout ça. Mais bon, il reste décembre. Décembre, janvier. Et puis après, ça sera terminé. Je serai à La Roche-sur-Yon avec lui. Donc les dimanches soirs seront moins compliqués. Donc bref, voilà pour ma lecture de liseuse. J'ai une lecture audio en cours. Je vous montrerai la couve, tout ça. Quand je l'aurai terminé, je pense peut-être demain, je suis à 66% là. C'est Seul en sa demeure de Cécile Coulon, dont je vous parlais également dans le vlog précédent. Je l'avais commencé le 1er décembre, parce que c'est pour rentrer dans un des thèmes de Bouclanta. Donc, il est sorti en février 2022. Il faut lire un roman qui est sorti en 2022. Donc, je lis ça. Et puis, j'ai commencé une nouvelle lecture commune, comme je vous montrais précédemment quand j'ai pris mon petit thé tout à l'heure devant le Wed With Me. Donc, j'ai commencé American Predator. Donc, là, on va suivre, c'est un pur thriller, on va suivre la piste d'un tueur en série. Et c'est assez original parce que, en fait, on va être comme dans une enquête. Mais c'est pas une enquête classique en fait, il n'y a pas de dialogue, mais ça reste super dynamique, c'est pas barbant quoi. Et je sais pas comment vous le décrire en fait, mais c'est comme si on suivait une enquête. Ah, c'est trop compliqué à dire. Mais voilà, on a les faits, on suit chaque policier dans chaque état. En fait, là, c'est un enlèvement que je vous mets dans le contexte. Ou alors, je vous lis le résumé. Ouais, je vais vous lire le résumé. Donc, on est en Alaska, à Anchorage. La ville s'appelle Anchorage. Enfin, Anchorage. Moi, je le lis Anchorage. Donc, une nuit glaciale de février 2012, la jeune Samantha Koenig disparaît. Une caméra de surveillance raconte bientôt la suite de l'histoire. On y voit un inconnu armé enlever l'adolescente. La police lance une chasse à l'homme jusqu'à l'arrestation d'un suspect bien sous tout rapport. Honnête travailleur et père de famille, comment peut-il vraiment être impliqué dans cette affaire? Une véritable enquête aux confins de la folie, American Predator raconte le parcours d'un psychopathe glaçant qui a sévi durant des années sur l'ensemble du territoire américain sans jamais être inquiété. Voilà, ça. Et c'est vraiment pas dans le truc comme les inspecteurs qu'on peut avoir avec. Enfin, classique, on suit un inspecteur qui va voir les suspects, etc. C'est vraiment une autre forme. C'est une enquête aussi, mais j'arrive pas à trouver les mots, ça m'énerve. Mais c'est super addictif. Franchement, je l'ai commencé tout à l'heure. Je sais pas, je me suis réveillée vers 16h15 de ma sieste. J'ai dû commencer vers 16h30. Vers là. Et j'ai lu 80 pages. Donc on doit se rejoindre page 128 avec Elodie. Parce que je le fais en lecture commune avec Elodie. Je vous avais dit qu'on avait prévu plusieurs lectures à suivre. Et donc on a deux lectures un peu historiques. Donc que j'avais lu. Donc la semaine dernière, on avait lu celui-ci. Qu'il faut que je fasse mon poste d'ailleurs. Donc c'est un cozy mystery historique. Et après notre autre roman, c'est une saga historique. Donc je vais proposer qu'on fasse une pause avec un thriller au milieu. Donc voilà, c'est celui-ci que j'avais acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc voilà, c'est très addictif et il y a beaucoup de suspects pour l'instant. 80 pages, c'est un truc de fou. Et on suit plein plein de personnages. Donc je m'y perds un peu parce qu'en fait ça se passe en Alaska. Mais en même temps, le tueur, il loue des voitures. Et puis, il fait une traversée. Et là, il arrive au Texas. Donc, en fait, on passe avec des inspecteurs du Texas. Mais en même temps, il a traversé d'autres États, d'autres pays. Enfin, et donc, du coup, il y a une espèce de. Il demande une rançon. Et donc, du coup, il a la rançon, enfin, la moitié, enfin, juste une partie de la rançon pour que. Ils reprennent contact avec le père de la jeune fille qui a été enlevée. Et du coup, ils essaient de le pister suite à ça. Donc, c'est un peu. Ouais, faut suivre. Mais franchement, j'étais tellement à fond tout à l'heure que j'étais pas spécialement perdue. Mais à part quelques noms, voilà, que. Je me
me suis dit, attends, lui, il est de quelle ville? Alors, lui, il est d'Alaska, lui, il est de machin, lui, il est de Texas, mais machin, machin, enfin bref. Mais c'est bien ficelé et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Elodie est déjà arrivée à la partie, comme d'hab. Donc, voilà, il me reste. Quoi, il me reste 40 pages à lire. Donc là, je pense que. Là, il est 19h20. J'allais prendre une petite douchette. Et puis le continuer. Arriver à la page 125. Et après, continuer Fuenquinos tranquillement. Et puis la soirée va vite se terminer. Et donc, en même temps, je viens ouvrir mon calendrier de l'Avent d'Elodie. Donc, je viens ouvrir juste les livres en fait. Hein, parce que ce sera, le reste, c'est des chocolats, des petits trucs. Je vous montre vite fait quoi. Donc, le livre d'aujourd'hui pour Elodie. Je ne sais même plus trop. En fait, on s'est donné une liste de 10 livres. Et on en a sélectionné 7. Et elle m'a dit qu'en plus, elle en avait pris un qui était dans ma wishlist sur Livre Addict. Donc, je ne sais même plus ce que je lui ai donné comme wishlist. Alors. Ah, cool! Ah, ça fait vraiment longtemps qu'il est sur ma wishlist celui-là. Ah, merde! Le scotch est sur la couche. Ah zut, on se fait grave. Donc, il s'agit de Derrière la haine de Barbara Abel. Donc, j'en entends que du bien depuis maintenant pas mal de temps. Donc, je suis trop contente de. Et à chaque fois, je veux le prendre. Et puis, en fait, je le repose tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Et là, du coup, bah, je l'ai en ma possession. Donc, je suis trop contente. Ça, c'est cool. Il semble que c'est en plusieurs tomes. Je crois qu'il y a Derrière la haine. Je sais qu'il y a Après la fin. Mais il y en a peut-être un au milieu ou un après, je sais plus. Mais depuis le temps que je le veux, je suis trop contente. Et c'est vrai que je l'avais mis sur la. Ouais, maintenant que je l'ai dans la main, je me souviens que je l'avais mis dans la wishlist. Parce qu'on s'était dit, on va donner des récents et des moins récents pour s'acheter aussi de l'occasion. Parce que 7 romans, bon, ça fait des sous quand même, même si ça coûte pas très cher, mais bon. Donc bref, voilà, trop contente. Merci Lodi, je vais t'envoyer un petit message. Ah, je me prends la boule dans la tête. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'ai fait le tour. Et puis niveau film, je vous en parle plus parce que j'en ai pas regardé depuis v'là le temps. Donc bon, j'ai froid. Donc pas de point film. Et puis série, bah, je regarde Gossip Girl comme je vous disais tranquillement le soir. Et puis voilà. À plus tard. Lâche, cracotte. T'es prête? Hey, coucou, alors me revoilà. Nous sommes jeudi soir, enfin soir, il est 19h30. Donc je viens vous faire un petit point lecture parce que j'ai terminé deux lectures. Oh là là, et c'est la folie cette semaine. Donc j'ai terminé ma lecture audio que j'avais en cours qui était Seule en sa demeure de Cécile Coulon. Je vous ai allumé mon ordinateur pour vous montrer la couve. Donc je vous avais montré, enfin je vous avais lu le résumé la semaine dernière dans mon précédent blog, donc je ne vais pas vous le relire. Mais seulement vous dire que j'ai passé un bon moment de lecture, c'était sympa. Après c'est du contemporain, j'ai pas l'habitude de lire ça et c'est agréable justement d'en lire de temps en temps. C'est une histoire assez banale d'une jeune fille, donc je ne sais plus en quelle année c'est.
C'est durant le 19e siècle. Et donc, on suit Aimée qui est forcée donc, de se marier avec un homme riche qui demeure dans une espèce de maison au milieu de rien. Et du coup, elle ne connaît pas cet homme et elle est obligée de se marier avec. Et dans ce manoir, il se passe des choses bizarres, on va dire, qui l'a fait se poser pas mal de questions. Et c'est bien tourné. Et la voix audio me mettait bien dans l'ambiance, comme je vous disais précédemment. Et du coup, c'était une histoire sympa. Après, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Hein, une bonne petite lecture. Donc, je relirai Cécile Coulon avec plaisir. J'ai mis une petite note de 14 sur 20, ce qui est pas mal. C'était pas non plus la folie, mais franchement, c'était bien. Donc du coup, tout à l'heure, j'ai commencé une nouvelle lecture audio. Je teste un thriller, ça va être la première fois que j'écoute un thriller parce qu'en final, à chaque fois, j'ai lu soit du jeunesse, soit du contemporain. Je me suis dit, je vais voir ce que ça donne un thriller. Là, c'est un homme qui nie. Et depuis que j'ai repris lecture audio, c'est que des femmes. Enfin, j'ai fait que trois lectures, mais bon. Donc voilà, j'ai pris un thriller qui se passe en Norvège. J'ai pris ça pour le boucle entame, mais à mon avis, j'aurais pas le temps de le finir parce qu'il y a presque 10 heures d'écoute. Et le boucle entame se termine le 16 et on est le 8. Je pense pas que je l'aurais terminé, sachant que le week-end en général, comme je bouge pas mal, je lis peu et j'écoute donc peu aussi de lecture audio. Donc j'ai pris Fermé pour l'hiver de John Lear Horst. Quelque chose comme ça. Je vous montre la couve, c'est celle-ci. On voit pas très bien, je suis désolée. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc voilà, c'est ce roman-là. Un chalet au milieu de rien, en Norvège. Donc pour l'instant, j'ai lu quatre, enfin j'ai écouté quatre chapitres. J'en suis aux prémices de l'histoire. Je vais vous lire le résumé. Ça sera plus simple. Donc c'est une saga de William Wisting. C'est un enquêteur. Et donc sur les pratiques, ça commence au 7, mais il n'y a pas de 1 à 6, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je commence par le premier qui est sur le truc. C'est comme ça. Là, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, il n'y a même pas le 11. 7, 8, 9, 10, 12. Bon. Écoutez, on verra bien. Donc, je vous lis le résumé. Donc, les chalets du comté de Vestfold, qui servent de résidence estivale aux Norvégiens aisés, sont fermés pour la morte saison et ont été la cible d'une série de cambriolages. Lorsqu'un homme cagoulé est retrouvé assassiné dans le chalet d'un célèbre présentateur de télévision, William Wisting, inspecteur de la police criminelle de Larvik, une ville moyenne située à une centaine de kilomètres au sud-ouest d'Oslo, est chargé de l'enquête. Mais la disparition du corps avant son autopsie et l'incendie d'un appartement détruisant des indices essentiels risquent d'anéantir tous ses efforts. La situation se complique encore puisque la propre fille de Wisting se voit mêlée malgré elle à cette affaire. Super. Après s'être séparée de son petit ami, la jeune journaliste se réfugie dans le chalet que son père a hérité d'un oncle à quelques kilomètres du lieu du crime. Ah merde. Lors d'une promenade, elle découvre un corps sans vie, dérivant dans un bateau, les yeux dévorés par les oiseaux. Ah bah c'est sympa ça, j'ai bien fait de lire le résumé. Oui, bah pour l'instant, moi j'en suis juste, voilà, j'ai écouté les quatre chapitres, donc on découvre le chalet qui a été cambriolé, avec donc le cambrioleur qui s'est fait assassiner. C'est étrange comme début que ce soit le cambrioleur qui se fait assassiner. Voilà, voir comment c'est. Ça change vraiment que ce soit un homme qui parle et c'est vraiment sympa. J'ai souri en disant ça, mais il n'y a rien de marrant dans l'histoire en plus. Voilà, je suis contente de commencer cette lecture. Voilà pour mon point audio. Mon point bouquin. J'ai terminé tout à l'heure American Predator que j'ai commencé lundi en lecture commune avec Elodie. Et franchement, c'était une bonne lecture. J'arrivais pas trop à trouver les mots l'autre jour quand j'en parlais. Je trouverais toujours pas les mots, mais c'était vraiment addictif. Et c'est une enquête un peu à la true crime. True crime. Et donc du coup, c'est un plus une sorte de documentaire qui fait
mi-roman, mi-documentaire. Et franchement, c'est un format qui change et c'était très agréable à lire. Par contre, ça fait flipper parce que le mec, c'est un tueur en série et c'est une histoire vraie, mais tout est vrai. C'est des vrais documents, en fait, du FBI, etc. Et l'autrice dit justement au début que... Voilà, il dit ce livre se fonde, enfin elle dit, parce que c'est Maureen, je pense que c'est une fille, hein. Ce livre se fonde sur des centaines d'heures d'entretien avec la plupart des agents du FBI ayant travaillé sur cette affaire. Les passages où sont décrites leurs pensées ont été rédigés à partir d'informations qu'ils ont eux-mêmes fournies. Par souci de clarté, les extraits d'interrogatoires du FBI ont parfois été condensés ou retravaillés. Mais franchement, ça fait trop flipper, même à la fin, il y a l'épilogue et puis après, il y a des notes de l'auteur et remerciements. Et franchement, dans tous les remerciements, c'est des vraies personnes. Tout le long qu'on lit, c'est pas fictif, quoi. C'est vrai, ça s'est passé et ça fait vraiment flipper. Ça fait vraiment flipper. Et tu te dis que le mec a... Enfin non, je peux pas dire. Donc non, c'est vraiment, vraiment flippant, je le conseille. Mais c'est pas gore en soi, c'est flippant dans le sens où c'est un tueur en série qui existait en vrai, quoi, et que là, on l'analyse de long en large, et on a vécu dans les interrogatoires et dans les enquêtes des différents états. Comme je vous disais, il a été dans plusieurs états où il a fait des choses, et du coup, ouais, c'était bien. Et je crois que c'est la première fois que je lis un true crime, et je savais même pas que c'en était un, en fait. Et je me souvenais pas que Séverine l'avait lu en grand format. Enfin, j'avais pas du tout fait le rapprochement entre les deux. Donc, une bonne lecture encore pour ce début de mois. Donc, voilà pour mon point lecture. Pour ce week-end, je sais pas trop si je vais beaucoup lire, mais je vais continuer et terminer mon David Foenkinos vers la beauté. Donc, je vous reparlerai dans ces moments, au moment où j'aurai terminé. Je suis à 56%, donc là, 7h30, ouais, je vais lire 1h30, parce que mon copain part de La Roche, donc il y a 1h30 de route, donc je vais lire en attendant, donc ça se trouve, je l'aurai terminé tout à l'heure. Et puis après, je ne sais pas du tout ce que je vais lire, donc je vous tiendrai au courant. Et puis, voilà pour mon petit point. Là, je me suis lancée Blood and Water, la série dont je vous parlais l'autre jour, où je vous disais Blackwood, et en fait... C'est pas du tout ça, c'est bien des blagues, mais rien à voir. Donc Blood and Water. Donc je suis à l'épisode 5 de la saison 1. Et puis voilà, je me mettais ça tranquillement. Et puis au niveau du calendrier de l'Avent, je vous fais un petit point vite fait du calendrier d'Élodie. Hier, j'ai eu un petit sachet de thé. Trop bon. Alors je connaissais déjà parce que. Émilie du compte Emma Gendra m'avait déjà offert mais juste un sachet. De la même senteur, de la même marque, et que j'avais beaucoup aimé, c'est saveur poire chocolat amande de chez Pilou Pilou. Que j'ai pris une tasse évidemment ce matin avant d'aller au travail, et il est toujours aussi bon. Et puis ce matin, j'avais ça dans mon calendrier de l'Avent, donc c'est des stickers. Donc là, c'est un petit post-it, là pareil, post-it en petite forme de plume, bien sympa. Et après, des stickers de Noël. Hop. Je vous montre vite fait. Ils sont trop beaux. Ça va décorer mon carnet de lecture. Alors je retente de prendre un carnet de lecture cette année. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois je retente. Mais là, il a l'air bien le carnet. J'ai pris. C'est justement Séverine du compte Il est bien ce livre dont je vous parle, que je regarde les Read With Me souvent. Qui fait son carnet de lecture. Et l'année dernière, on en avait fait un. Je l'avais pas pris et parce que j'aimais pas la couve, j'aimais pas trop la fille. Là, c'est un peu la même chose, mais bon, j'ai tenté quand même parce que l'intérieur, au final, c'est l'intérieur qui compte. Là, on va mettre nos notes, etc. Donc, du coup, je tente. Il est à 10 euros sur Amazon. Donc, voilà, j'ai acheté ça et puis on verra bien si je m'y tiens. Pour l'année. Voilà, je vais vous laisser là. Je vais me poser tranquillement. Et puis, bouquiner mon David Foenkinos. J'ai hâte de savoir parce que tout mon groupe l'a lu quasiment. Même l'autre équipe. Et tout le monde a eu. Enfin, beaucoup ont eu des coups de cœur. Et apparemment, un retournement de situation. Donc, j'ai hâte de savoir. Même si j'ai déjà une petite idée. J'ai déjà une petite idée. Mais bon, j'ai fait une petite pause là. J'aurais peut-être pas dû faire une si grande pause. Mais bon, j'ai encore bien l'histoire dans la tête. Donc, il n'y a pas de souci. Bref, voilà, je vous laisse là et je vous dis à plus tard.
Esquimaux du matin, je prends une cracotte, tout est gelé, j'ai essayé de vous prendre les feuilles, toutes blanches, mais on voit pas très bien, ça rend pas de ouf. Donc bref, je viens conclure cette semaine. J'ai terminé le David Foenkinos vers la beauté, j'ai terminé vendredi. Jeudi ou vendredi, je sais plus. C'était super bien, franchement, à chaque fois avec cet auteur, les fins me surprennent toujours, et là on est parti vers une direction dans laquelle je ne m'attendais absolument pas, et du coup c'était super, franchement c'était bien, ouais, c'était une bonne lecture que je vous conseille. Franchement au début on dirait que ça a l'air banal, on suit Arthur etc, puis en fait ça part après avec d'autres personnages et c'est super bien, franchement c'est cool. Et puis après j'ai commencé un autre roman, mais je vous en reparlerai dans le prochain vlog, parce que j'ai lu que 80 pages. Donc je vais continuer un petit peu à lire aujourd'hui, mais je ne vais pas beaucoup lire je pense, comme d'hab le dimanche. Donc voilà, je me suis dit je vais conclure ici, puis vous le montez ce matin le vlog, vous l'aurez comme ça un peu plus tôt que d'habitude. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous verrai à droite. Et puis voilà. Je vous laisse là. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, bon dimanche et portez-vous bien. Salut.